Le pays où est né notre saint patron est arrosé de tous côtés par des sources d'eau vive. Il offre aux troupeaux d'excellents pâturages et produit en abondance du blé et d'autres grains. C'est ce qu'écrit Arjulf, moine et chroniqueur de la prestigieuse abbaye du XIIe siècle. Et il poursuit. Il est favorable au commerce et au transport des marchandises. On y trouve point de cité, mais il renferme des châteaux forts et des bourgs aussi riches que des villes. Telle est la patrie de Saint-Riquier. On s'arrête aujourd'hui dans un village qui a été un objet de convoitise à travers les siècles. Il a connu un climat de guerre et d'invasion perpétuelle de Charlemagne jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et chronologiquement, tout a commencé au Moyen Âge. Tout d'abord autour d'un monastère et puis autour de cette immense abbaye qu'on va découvrir tout de suite grâce au drone. La façade gothique et sa tour, haute de 50 mètres, témoignent du rayonnement passé de l'abbaye. C'est un historien local, Philippe, qui me livre le récit de sa fondation. Quand on est sous cette abbaye, on a l'impression qu'elle atteint presque le ciel, c'est démesuré. Oui, c'est un édifice somptueux, c'est ce qui frappe évidemment tous les visiteurs lorsqu'ils arrivent à Saint-Riquier, qui est une petite commune maintenant, et lorsqu'ils traversent le bourg et débouchent sur la place, ils aperçoivent cet édifice majestueux, automatiquement ils viennent visiter ce monument de l'art gothique. Tout a débuté ici avec la première pierre qui a été posée en 625. Sous le règne de Dagobert Ier. Le fameux bon roi Dagobert qu'on a tous chanté quand on était enfant. Donc. Oui, et là, il y a un moine, Riquier, qui sera consulté d'ailleurs par le roi Dagobert. Il viendra spécialement le voir. Ce moine Riquier, converti au christianisme par des prédicateurs irlandais, va fonder un monastère. Et lequel monastère rendra un développement considérable à l'époque de Charlemagne. Riquier, évidemment, on fait le lien tout de suite avec le nom actuel Saint-Riquier, de la commune. Saint-Riquier, bien sûr, ouais. Saint-Riquier, propriétaire terrien, devenu Saint-Riquier parce qu'il a fait des miracles. Quel miracle, en l'occurrence? Il aurait rendu la vue à des aveugles, guéri des paralytiques, il aurait, des mourants, rendu le souffle qui leur manquait. Bref, un beau catalogue, ça méritait vraiment de devenir un saint, oui. Et d'attirer des foules de visiteurs, de pèlerins. Au bas Moyen Âge, l'abbaye était l'une des étapes sur le chemin de Saint-Jacques. Est-ce qu'on sait comment était organisée la vie dans cet endroit? En totale autarcie. C'était un monde clos. Tout était prévu, aussi bien évidemment les besoins matériels que la vie méditative. Et par exemple, il y avait dans cette partie-là tout un espace qui était consacré à la vie matérielle, c'est-à-dire il y avait boulangerie, il y avait la brasserie, il y avait les ateliers de maréchal Ferrand, les écuries pour soigner les chevaux des abbés, tout un espace de jardin aussi qui était associé à cette utilisation. C'était une petite ville à l'intérieur de la ville elle-même. Et donc dans ce lieu, il y avait de l'instruction, c'est là qu'on enseignait. On disait effectivement que Saint-Riquier était un phare culturel à l'époque de Charlemagne. Et les princes, les nobles confiaient au monastère de Saint-Riquier l'éducation de leurs enfants. Et ici, on a formé des papes, des princes, des rois, des évêques. Donc un grand prestige pour cette cité qui accueillait jusqu'à 15 000 personnes, c'est-à-dire 11 fois la population actuelle. Ça a été un peu grandeur et décadence, non? C'était une ville importante, c'était un lieu extrêmement riche, extrêmement réputé. Et ces 15 000 habitants se resserraient le plus possible autour de l'abbatiale pour se mettre sous la protection des murailles que l'on va faire très tôt pour protéger toutes ces richesses qui étaient là et cumulées. Donc il y avait des tours qui étaient là pour protéger le site. Elles étaient nombreuses, il paraît qu'on en comptait 300. Au 7e siècle, Saint-Riquier se nommait d'ailleurs Centule, la ville aux 100 tours. Et cette opulence va attirer nombre de convoitises et de pillards.
Dans la baie de Somme, qui jouxte Saint-Riquier, seuls les touristes, les oiseaux et les chevaux se partagent aujourd'hui ce territoire de terre et d'eau. Avec son fleuve trop paisible, l'ensablement de la baie s'est accéléré au cours des siècles. Mais au Moyen Âge, le cours de la Somme constituait un obstacle difficile à franchir pour les envahisseurs, qui traversaient la Manche et trouvaient Saint-Riquier sur leur chemin. Il existait pourtant un gué que les chasseurs, comme Hubert, connaissent bien. C'est un lieu qui est quand même très très chargé, il y a eu des invasions qui sont gravées dans le livre d'histoire aujourd'hui. Ouais, et notamment la chevauchée de Houertrois en 1346. 1346, 14e siècle donc. Voilà, comme il venait donc du nord, il s'est retrouvé bloqué par le fleuve Somme. Et il cherchait à traverser. Ce gué-là, la marée montait et descendait et faisait que le fond de la rivière était assez fluctuant. Mais à cet endroit précis du gué de Blantac, le sol ne bougeait jamais. C'était toujours ferme et dur, et donc c'était connu, surtout des marins. Mais uniquement des gens d'ici, en l'occurrence. Voilà. Ouais. Mais il a trouvé la solution. Alors c'était quoi? Eh bien, au cours de ces batailles, d'invasions, il a fait de nombreux prisonniers, qui n'ont jamais révélé le passage. Par contre, il y avait un petit valet, là, Gobin Ayache, qui lui s'est fait prisonnier, qui a entendu parler de l'affaire, bien sûr. Et il a proposé de révéler le gué à Édouard III. En échange de? En échange de sa liberté, c'est déjà pas si mal. 100 pièces d'or. Ouais. Et la liberté de 20 de ses compagnons. D'accord. Donc il a lâché le morceau, il s'est fait acheter en fait l'information. Voilà, toi, il s'est fait acheter tout simplement. Et bon, puis lui, ça lui permettait d'avoir un déroulé après, de vivre autrement. Hein. Mm-hmm. Donc ce qui a permis à Édouard III de traverser, il a aplati les troupes françaises qui étaient sur l'autre rive, et il a continué son cheminement pour déboucher sur la fameuse bataille de Crécy de 1346, où on s'en est quand ramassé une bonne. C'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Cette bataille-là, on ne peut pas la localiser très précisément ici sur la région. En revanche, ce passé, avec ces invasions, ça, il en reste des traces dans la région. Ah oui, alors là, je te conseille fortement de retourner à Saint-Riquier et de découvrir les Muches. Les Muches? Oui, les Muches. C'est les Muches. Tu verras bien. Je te laisse la surprise de la découverte. C'est là qu'on se quitte. Petite image avant que tu partes. Allez. Les guetteurs d'aujourd'hui peuvent être tranquilles. Seuls les oiseaux apparaissent sur l'horizon. Autre temps, autre mœurs. À Saint-Riquier, je déniche Philippe, un pharmacien fin connaisseur des Muches picardes. C'est par une église fissurée de toutes parts que l'on peut pénétrer dans leurs méandres. Donc là, on va s'équiper. Je vais te donner un casque. C'est là-dedans que tu caches ton matériel. Voilà, donc c'est une reconversion professionnelle. Voilà, une deuxième vie. Après avoir entendu les péchés du village. Qu'est-ce que ça veut dire, les Muches? Alors, le Muche, c'est un terme picard qui veut dire se cacher, en fait. Donc, c'est là où on se cachait en cas d'invasion ou en cas de grand froid, si nécessaire. L'entrée est dans une église. Pourquoi un tel endroit, en fait? C'était stratégique, entre guillemets, parce qu'en fait, les envahisseurs, notamment les Espagnols, qui sont très catholiques... Donc les envahisseurs s'arrêtaient à la porte. Ça les empêchait d'attaquer l'église. Et quelques temps plus tard, ils ont trouvé la parade, en fait. C'est-à-dire? Ils envoyaient des mercenaires croates, hein, qui n'étaient pas catholiques. Comme ça, ils faisaient le sale boulot et eux, ils arrivaient derrière. Ils sont malins, ces envahisseurs. Pardon. Au XVIIe siècle, Saint-Riquier fut le haut lieu de ce que l'on a appelé la révolte des gueux. Elle opposa les provinces du nord de la France, les Pays-Bas et la Belgique à la monarchie espagnole. Attention la tête, ah, c'est pas haut. Hein. Donc là à l'entrée on a deux chicanes en fait qu'on voit très bien, c'est beaucoup plus facile à se défendre quand il y a des chicanes en fait. Hein. Donc souvent il y avait une grille et une porte parce qu'en fait on a eu plusieurs cas dans l'histoire où le souterrain refuge était complètement enfumé et les gens sont morts, ont dû se rendre. Ouais, en fait exactement comme des lapins enfumés dans un terrier. Tout à fait. Ce qui est étonnant, juste au-dessus de nos têtes, c'est qu'on a l'impression d'avoir un escalier, mais à l'envers. C'est ce qu'on appelle des voûtes à redans, donc c'est l'avantage d'être très solide, et en même temps, ça permet dans le noir de se déplacer en toute sécurité sans glisser, parce que c'est un milieu très humide et très glissant. Et quand on est se cacher ici, c'était pour se protéger de qui? On se protégeait essentiellement des fourrageurs. Donc on sait que les armées à cette époque-là vivaient sur le dos de la population, et que les armées, soit ennemies ou ennemies, c'est la population qui trinquait.
Mais qui a fait ça? Parce que c'est colossal comme travail. Oui, donc c'est la communauté villageoise qui n'avait pas le choix à l'époque pour protéger ses récoltes, c'est bien, et aussi également protéger sa vie en cas de besoin. Et chaque famille se voyait attribuer une chambre. Ce que tu appelles une chambre, ce sont les, oui, les cavités qu'on voit voilà. Sur les côtés. Sympa comme chambre. On peut rentrer. Rentrer dans une chambre. Elle a servi à quoi? Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Donc cette chambre, donc c'est une chambre typique. On voit qu'elle était fermée par une porte. Donc c'est un espace privatif. D'ailleurs, les graffitis le montrent. Il y en a un petit peu partout. Il y en a ici. Donc la chambre de Pierre Pelé, 1729. Ah, c'est 1729, signé, en fait. C'est signé. Donc on voit bien que c'est attribué à une famille en particulier. Donc ça permettait de stocker en fait les céréales qui étaient le bien le plus précieux des paysans de l'époque. Également, ça permettait de venir se mettre à l'abri en cas d'invasion. Mais ce n'était pas des espaces de vie très longs parce qu'il n'y a pas beaucoup d'oxygène et on ne pouvait pas vivre très longtemps, en fait, trop nombreux dans le souterrain. Combien de personnes vivaient là-dedans? Mais en fait, il y a une cinquantaine de salles, donc ça correspond à une cinquantaine de familles, donc on peut estimer à 300, 350 personnes. Comment ça se répartissait entre les différents habitants? Il est plus intéressant d'avoir une chambre à l'entrée du souterrain, donc il y a moins à porter pour déposer ses affaires. C'était les meilleures places alors? C'était les meilleures places en fait. Donc les riches avaient les plus belles places et les pauvres prenaient ce qui restait. Et on connaît la taille de ces mûches? Là on a 150 mètres de long sur 50 mètres de large, avec deux couloirs. Donc, ça a été redécouvert en 2005 par hasard. Et donc ça a été depuis nettoyé, on a réouvert les puits d'aération, on a réouvert le puits à eau également. Pouvoir rester suffisamment longtemps. Pouvoir respirer convenablement. Et plus récemment, on s'en est servi encore de ces souterrains. Donc la plupart des mûches ont été utilisées en 14-18 comme cantonnement, notamment par les troupes anglaises. Et en 40-44, ça a servi d'abri pour les populations civiles contre les bombardements. Donc on s'est toujours abrité, quoi. Voilà. Donc... Pendant la Première Guerre mondiale, Saint-Riquier a servi de base arrière aux soldats du front. Une partie du cimetière est dédiée à ces soldats du Commonwealth. Mais une autre tombe, plus ancienne, attire le regard, celle du soldat Petit. Ce soldat était un grognard de Napoléon qui vécut à Saint-Riquier. Dans la grande rue, le toit de son étonnante maison rappelle le bicorne de l'empereur. Bonjour Marc. Bonjour Emmanuel. Vous allez bien? Entrez. Merci. On ne peut pas passer à Saint-Riquier sans passer dans cette maison. Qui est un monument historique, c'est marqué sur la façade, mais qui est aussi votre maison d'habitation et qui est un musée consacré à Napoléon. Quand on a acheté en 2000, c'était une ruine, donc on a entièrement retapé. Ouais. Je pensais pas spécialement à en faire une sorte de musée Napoléon, mais... Alors, avant que vous ne deveniez l'heureux propriétaire de cette maison, il y a eu une très très longue histoire. Début 19e siècle, la façade allait beaucoup plus loin. Mm-hmm. Il y a la route nationale qui venait de Lille au Havre et les carrosses ne pouvaient plus se croiser. L'État a décidé qu'il fallait démonter une partie de la façade. Ouais. Il y avait ici le maire de Saint-Riquier qui était propriétaire, M. Marcassin. Et son beau-fils revenait du front, c'était un grognard. Il aimait tellement l'empereur, il a fait reconstruire la façade en forme bicorne du chapeau de Napoléon. Et plus tard, on a mis une statue de Napoléon dessus. C'est très étrange, hein. On n'a pas l'impression d'être dans un appartement, mais dans un musée à la mémoire de Napoléon. Mais non, mais allez, j'ai toujours été collectionneur, donc je suis d'origine belge, donc Napoléon ne me disait pas grand-chose, excepté Waterloo, ouais. Que je connais. Juste après l'acquisition, il y a une dame qui m'appelle, qui habite un peu plus loin, à Saint-Riquier, elle dit « j'ai quelque chose pour vous au grenier ». Donc je vais voir, et donc elle me montre ça. C'est d'époque, ça doit dater de 1805. Et donc, c'est fait par David, donc le premier peintre de l'empereur. Et ce qui est particulier à cette gravure, partout où on se met dans la pièce, il vous fixe tout le temps. L'empereur vous surveille, il veille sur vous, c'est ça? Oui, c'est exact. Moi, j'ai l'impression que le portrait était ici, dans la maison de Napoléon, et qu'il est revenu maintenant où il doit être. Bon, après l'acquisition, c'était la première pièce. Ouais. Et j'ai continué.
Attention à la tête. Oui, je sais. C'est la taille des gens qui ont la hauteur de Napoléon. J'ai trois fils et eux, ils ne passent pas. C'est la hauteur d'origine. Oui. La maison était à échelle napoléonienne. Un peu basse. Même les jeux d'échecs chez vous sont à l'image de Napoléon? Exact. Je reçois tous les mois une pièce. J'ai presque tout. Est-ce que de temps en temps, vous refaites Waterloo? Avec mon épouse, oui. Oui. Ça arrive. Les Français ne comprennent pas, mais la Belgique a été créée à cause de Napoléon. Parce qu'après Napoléon, c'est les Anglais qui ont décidé qu'il faut chercher un tampon entre la France et l'Allemagne. Donc ils ont créé la Belgique qui n'existait pas avant, en 1830. La Belgique découle de Napoléon, vous arrivez à Saint-Riquier et vous atterrissez dans une maison où l'empreinte de Napoléon existe comme nulle part ailleurs. Oui, on appelle ça contradictio in terminis. Ce qui se traduit par? Une contradiction qui ne se termine jamais, donc ça continue toujours. Votre vie est une histoire sans fin. Oui. Est-ce que vous le mettez souvent en bicorne? Jamais. À Saint-Riquier, l'histoire n'est jamais très loin. Ainsi, ces vestiges d'une tour qui se dresse au beau milieu d'un jardin. Lilia, la propriétaire, est centulienne d'adoption et ukrainienne de naissance. Cette tour, comment est-ce qu'on peut l'imaginer? C'était une partie de la forteresse qui protégeait le village, c'est ça? Tout à fait. C'est une tour de garde, tour enceinte de fortification intérieure de Saint-Riquier. Là, le village s'arrêtait juste au bout du jardin. Tout à fait. Et la tour était là pour protéger des ennemis. Donc c'est pour ça que c'est une des seules tours de garde qui reste encore à Saint-Riquier, avec des meurtrières. Quand on se promène dans cette forêt, on imagine toutes les histoires qui sont liées au passé, ici, aux invasions, mais il va y avoir des légendes aussi, non, qu'on raconte dans la région. Des belles histoires pour les enfants, les grands-enfants comme moi. Il y a une légende, tout à fait. Son histoire remonte à la bataille de Crécy-en-Ponthieux, où il y avait trois beaux chevaliers français qui ont séduit les cœurs de trois belles picardes saint-uloises. C'est toujours comme ça. Les chevaliers, c'est très, très séduisant. Et donc, ils sont tombés amoureuses de ces trois beaux chevaliers. Quand ils ont entendu le retour de cette guerre, ils ont pleuré d'angoisse. Et à l'endroit où ils se tenaient pour pleurer, il y avait une source qui sortait du sol, comme un preuve d'amour. Donc ça, ce sont les larmes de ces trois femmes. Tout à fait. C'est les larmes de ces trois femmes fidèles à leur beau chevalier. C'est beau, j'ai envie de pleurer moi aussi. C'est une magnifique histoire, surtout avec ton petit accent ukrainien. Ça me laissera un très beau souvenir de la région en tous les cas. Une autre source irrigue le village et débouche sous l'abbaye. Philippe, mon guide des mûches, m'entraîne dans les soubassements du bâtiment. On attribue à la source des guérisons mystérieuses dont l'abbaye garde les traces. Alexia, une étudiante en histoire de l'art, va me les révéler. C'est donc ici que coule la source Saint-Marcoule. Oui, juste sous nos pieds. Et on lui prête des pouvoirs miraculeux, c'est vrai ça? En effet, on lui donne le pouvoir de guérir les scrofuleux. C'est le malade des écrouelles. C'est une tuberculose ganglionnaire, les ganglions enflent les suppures et le malade meurt étouffé. C'est mieux d'avoir une source pour soigner, hein, parce que ça n'a pas l'air réjouissant comme programme. Ça aide pas mal. Et sinon, il y a le roi qui peut toujours nous guérir. Donc ici, nous avons Louis XIV qui, dans sa grande bonté, procède à la cérémonie du toucher des écrouelles. Ça se passe comment? Il touche tout simplement Alors en fait, le roi appose sa main sur la tête du scrofuleux en prononçant cette simple phrase « Le roi te touche, Dieu te guérit ». Et ce qui est également remarquable, c'est que c'est la seule représentation qu'on ait du roi dans son rôle de guérisseur. C'est l'unique représentation de roi Louis XIV dans son rôle de roi thaumaturge. Petite explication quand même, thaumaturge c'est quoi? Thaumaturge c'est qui a le pouvoir de guérir. D'accord. Ici nous avons pas mal de traces du roi soleil, notamment dans le cœur, puisqu'il a offert à notre abbé 6 chandeliers plus un crucifix, le tout frappé à son blason.
Comme dans toutes les églises, très souvent, les détails nous disent beaucoup de choses sur l'histoire de la région. Là-haut, il y a une scène absolument inédite. Eh bien là, on a deux petits personnages qui ont une attitude assez étrange, une scène de ménage. Ce n'est pas l'homme qui va mettre sur sa femme, ah au non, contraire. Jamais, jamais. Non, jamais, surtout pas au Moyen-Âge. Là, en réalité, c'est la femme qui va battre son mari, puisqu'il y a une tradition qui dit qu'une fois l'an, la femme a le droit eh bien, de se venger hein, sur son mari, et c'est le mardi de Pâques. Ouf. Une fois par an, mais ici, exclusivement à Saint-Riquier. Exclusivement à Saint-Riquier. Coutume locale, qu'est-ce voilà. Au charme. Oui. Vous la pratiquez? Non, mais j'aimerais bien. Il faut rétablir les. Oui, oui, je suis pour le retour aux traditions. Et alors, ce qui est encore mieux, c'est que cette histoire qui commence ici, au-dessus de nous, elle se poursuit là-bas. Voilà, exactement, dans le déambulatoire. Donc voici la suite de notre histoire. Donc alors, qui est-ce qui gagne? Malheureusement, enfin, je dis ça, j'ai l'impression que c'est la femme quand même qui a largement le dessus. Clairement, hein, la femme terrasse hein, son démon de mari, hein, vraiment, elle a le dessus. Et donc, à noter qu'au fil du temps, elle y a quand même perdu la face. Ouais, c'est vrai, bien fait pour elle. Alors en fait, c'est un privilège, donc le droit hein, de battre leur mari, que les femmes ont gagné grâce à l'histoire de Bec Étoile. Bec Étoile, c'est une guerre qui s'est jouée ici dans la voilà. Région, gagnée par des femmes sur les hommes. Exactement, c'est bien ça. Et donc, grâce à cette victoire, elles ont eu le privilège, une fois l'an, de battre leur mari, et ce donc le mardi de Pâques. C'est incroyable, les conséquences des guerres. Moi, je trouve ça génial. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est un point de vue. On arrive, ce qui surprend quand on est ici immédiatement, c'est à quel point la ville est basse et l'abbatiale est immense. Alors ici, les moines étaient très puissants, hein. Ils possédaient énormément de terres. D'ailleurs, c'est eux qui, au 7e siècle, vont fonder la ville de Abbeville. Et en plus, ça nous permet de voir le beffroi. Ça, c'est intéressant parce que c'est pas juste un édifice, il y a un symbole là derrière. C'est le symbole du pouvoir du peuple. Le beffroi, donc, que l'on considère souvent comme une tour de guet, en réalité, vous avez le conseil municipal qui s'y réunit. Le pouvoir de Dieu face au peuple. Ce beffroi, c'est tout un symbole. C'est la séparation de l'Église et de l'État civil. Et c'est le symbole aussi de l'acquisition d'une liberté pour la commune et qui fait de la commune une des premières communes affranchies de France. Et ça, vous en êtes fiers? Les bourgeois en tiraient beaucoup d'orgueil. Ce qui est très intéressant, c'est de regarder ici par la fenêtre, parce qu'on voit qu'on n'est pas si près que ça de l'abbatiale, et ça, c'est pas un hasard, évidemment. Le premier beffroi ne se situait pas à cet emplacement, mais tout près des murs de l'abbatiale, trop près au goût, d'ailleurs, des abbés. Mais il faisait de l'ombre, quand même, à l'abbatiale. Donc et le clergé les... un peu haussé le ton. Voilà. La susceptibilité des religieux était un peu trop chatouillée, là, et ils ont tout fait pour éloigner le beffroi, le faire rebâtir à cet endroit. Alors Saint-Riquier, qui était capitale du Ponthieu jusqu'au XIIe siècle, va effectivement subir la concurrence de sa voisine et de sa fille. Abbeville, la ville des abbés. La concurrence de la famille, donc. La concurrence dans la famille, effectivement. Ah oui, c'est là que vient le nom Abbeville. Ab, abbé, ville. La ville des abbés, c'était une sorte d'avant-port pour Saint-Riquier, mieux placé, où le comte du Ponthieu s'est installé, et qui a su drainer à elle toutes les richesses que Saint-Riquier ne pouvait plus protéger, arrivées à un certain moment. Et donc là, Saint-Riquier la Puissante a commencé doucement à se dépeupler, à décliner? Oui, ça commence au XIIe siècle, et c'est pratiquement terminé au milieu du XVIe siècle. Et à ce moment-là, on peut dire que la fille, Abbeville, a détrôné la mère, Saint-Riquier. Moi, Ariulf, moine de Saint-Riquier, j'ai conçu le dessein de réunir en un seul corps d'ouvrage tout ce que j'ai recueilli sur l'ancienneté et la noblesse de l'église de Centhulle et de le transmettre ainsi à la postérité pour éviter que les faits ne se perdent entièrement dans l'oubli. Lundi, nous mettrons le cap plein sud, direction la Corse et plus précisément Bonifacio. Mais pour l'heure, Zénus s'intéresse au langage. Que savons-nous au juste de cette capacité qui nous distingue des animaux?
Un soir pas comme les autres.